C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis en train de mettre le Vinci Code en image. C'est-à-dire que vraiment faire vivre. C'est Sophie Neveu qui jette le barre de savon sur la bâche, sur le camion. Faut montrer une femme. Quel point est-ce possible pour un camion de passe sur le... 那就请大家呢和我还有我们的嘉宾主持人大卫一起闯进卢浮宫来揭秘达芬奇密码。 On y va? OK. Avec plaisir. 如果说达芬奇密码推动了巴黎旅游业，那可绝对不算夸张。 自从小说风靡全球以后，无数好奇的游客纷纷涌向巴黎，希望一睹小说中提到的真实地点和美术作品。 The premier 5 à 10 pages de ce livre sont très importants parce que tu commences ici, c'est-à-dire que c'est le parc de la grande galerie de Louvre. C'est ici que le conservateur Jacques Saunier passe les derniers instants de sa vie. Il vient d'être tué ici. 现在我们就来找的呢是卫生间。我听说呢也有一些达芬奇的热心读者干过这种事情，为什么呢？因为在小说当中有一个情节呢，就是 Sophie 发现了蓝灯教授被一个窃听跟踪器跟踪了，就放在他的衣服口袋里，所以呢，在一个卫生间里把窃听器找到，放在了一个香皂的上面，然后把玻璃打破，把香皂扔了出去，然后掉在了那辆卡车上，就是我们刚才说的绕卢浮宫离开的卡车。 但是这是一个男卫生间呢，我不能进去。现在我把这个任务呢就交给大卫，让他进去视察一下，是不是真的是这样呢 ？À tout à l'heure. Et bonne chance. La toilette du musée du Louvre, c'est pas exactement comme dans le livre, mais tu vois, ici il y en a du savon, mais c'est pas un bar de savon dans lequel on peut en ficher. Pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Bon, ouais, c'est pas la bonne toilette, ça doit être une autre toilette dans le musée. 那这就是这本小说的魅力，他把这个真的东西和假的东西又混在一起了。确实有蒙娜丽莎，而且就在我们的身边，确实有卫生间，但是确实没有香皂，也没有玻璃。C'est le home. Oui. C'est la vie. David, est-ce que tu sais les trois trésors de Louvre? C'est le Joconde, Léonard de Vinci. Il y a le Vénus de Milo, il y a le Victoire et elle. 以前在巴黎，大家走访最多的是巴黎圣母院，但是达芬奇密码出现之后，又增加了一个新的旅游热点，就是我身后的圣叙尔皮斯教堂。On y va? Ah oui, avec plaisir, on y va. Alors Victor Hugo s'est marié en 1802, je crois. Victor Hugo devait habiter dans la région où sa future femme devait habiter dans le secteur de Saint-Sulpice. Je ne crois pas que ça ait été à ce moment-là une très grande cérémonie, parce que Victor Hugo n'était pas encore connu. C'était qu'un jeune homme. Dans le livre, 作者命名了一条玫瑰线，说在这个教堂里有这样一条线。 他的意思是在英国格林尼治的本初子午线设定之前，这就是最初的本初子午线。事实真的是这样吗？ Ce qui compte, c'est ce qui est écrit ici. Solstice d'été,
de l'année 1745. Vous voyez, c'était à l'époque où on achevait de construire l'église, de finir. Et ça, c'était pour le mouvement de l'axe terrestre autour de son éclipse. Donc ça permet de voir un peu comment bouge l'axe terrestre. Et alors le gnomon a une autre fonction, et c'est peut-être sa fonction la plus simple et la plus importante, c'est de pouvoir dire chaque jour l'heure de midi. Alors pour bien comprendre le gnomon, il faut venir ici, venez. Parce que quand le soleil est à l'horizon et très bas, eh bien il faudrait encore 80 mètres plus loin, il faudrait continuer. Alors en redressant et en mettant un obélisque, ils ont permis de l'inscrire sur le mur au moment du solstice d'hiver. Hein, et le solstice d'hiver est là-haut sur la boule. Bonjour monsieur, bonjour. Vous avez Historia. Oui. Alors Historia. Voilà. Le nouveau numéro du mois de mars. D'accord. Ok. Très bien. 最新一期的法国历史杂志，他们也正在探讨达芬奇密码的问题哦。 Le fait bon, le pyramide inversé, de page 63, qui se trouve justement là. C'était là, bon, ouais. 真是一件不可思议的事情啊！我从来不知道倒立的金字塔竟然是在卢浮宫前面这个中心广场的。 正中心就在这个位置，从来没注意过，因为每次都是看正面的金字塔。然后这边就只知道是一个花园，四周全部被这个草地啊、各种绿色植物覆盖着，从来没有想到过中间竟然是玻璃的倒立金字塔的顶部。那在那边，我们帮他们 on peut essayer. Je ne le conseille personne de prendre. C'est bon, j'ai réussi le premier pas. Ouais, le premier saut. 做这期节目的时候呢，我们也在巴黎感觉的网站上征求了很多观众朋友的意见，竟然真的有一位热心的朋友问我：“乔乔，请告诉我圣杯在哪里？”事实上，到现在我也觉得故事的结局是什么样，圣杯到底在哪里，也许并没有那么重要。最开心的是我们探寻的乐趣，不是吗？